j'ai fait partir le fils dans mes illustrations, mais je l'ai fait partir pour moi à Las Vegas, parce que c'est vrai que c'est une débauche, malgré tout, d'énergie, de lumière. C'est vrai que le fils prodigue est parti avec des filles de joie. Donc, bon, pour moi, c'est un peu une image de la débauche. Ce n'est pas uniquement celle-ci, mais c'en est une. Et donc, j'ai essayé de l'exprimer au mieux. J'ai pensé bien sûr à Axel, à ces moments certainement de doute, de douleur, ou du manque, etc. Des moments vraiment très forts et durs. Et donc j'ai eu une pensée à ce moment-là, toutes ces privations et l'amour du père aussi. Privé de notre amour et nous de lui, c'était vraiment très dur. Dans ce volet, j'ai vraiment été fascinée par les enluminures celtiques. Donc j'ai voulu ce côté léger, juste de l'écriture, mais j'ai quand même, c'est vrai que j'ai utilisé de l'or, or blanc, or 24 carats aussi, la feuille d'or. Et pour moi, c'est ce côté très précieux aussi que je voulais donner, et intouchable. Et en même temps, j'y ai intégré vraiment l'église qui m'a vraiment impressionnée. Donc j'ai voulu reprendre les petites tresses, les torsades de l'église. Et bien sûr, l'ours, le bien, le mal, qui est au dehors de l'église. Et cette statue qui a plus de 2 mètres de haut et qui est assez impressionnante, ce mendiant. Il paraît, pour la petite histoire, on m'a dit que, en fait, c'était pas vraiment un mendiant, c'était quelqu'un qui a donné beaucoup d'argent pour l'église et qui s'est retrouvé ruiné, quoi. C'est la petite image qu'on donne ici. Et ces têtes aussi qui sont, je trouve, absolument, qui m'ont fascinée parce qu'elles étaient très énigmatiques. Et elles sont représentées par maintes. Il y en a plein de ces visages, et un peu orientaux comme ça, et ça m'a fascinée.